Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme d'habitude dimanche soir à 21h pour le live robotique avec boum, tchac, un petit peu de musique directement et ça commence un peu fort. comment allez-vous? Il y a déjà du monde qui était là un petit peu juste avant le jingle. Salut Hardman. Oula, la tonne de servomoteur. Ah oui, parce que je vous ai montré les servomoteurs qu'on va utiliser ce soir. Te retourne pas alors, surtout ne te retourne pas. Oui, alors pour ceux qui étaient qui ont vu la rediff du live de cette semaine et il y a deux semaines, pour l'instant on n'a pas d'araignée, voilà, donc on va essayer de faire un maximum de travail avant de se faire peur avec ces araignées. Et on va commencer direct avec du fricade. En fait, parce que j'ai besoin de refaire mes raccourcis sur le Stream Deck, sur les Pi Menus, sur... voilà, j'ai envie de modifier un petit peu mon interface. J'ai fait des grosses erreurs, en fait, quand je l'ai fait il y a quelques semaines. Et donc, je me suis dit que ça pouvait faire une première petite partie un peu sympa de modification de l'interface de FreeCAD, de vous montrer ce qu'on pouvait faire, de se chauffer un petit peu dessus. Parce qu'après, on a un peu de taf et des trucs un petit peu chiants à paramétrer sur le logiciel pour pouvoir faire le dernier actionneur de la Coupe de France de robotique, en tout cas le designer avant de le fabriquer. J'ai besoin aussi des pièces qui sont en train de s'imprimer et il y en a pour une petite demi-heure. Donc voilà, c'était fait pour, on y va, c'est parti. Salut Davric, merci beaucoup pour ton prime. Désolé, excuse-moi, j'ai bugué sur Davric88, merci. Je suis tombé sur un nouveau pote qui fabrique une place. Mais bien sûr, Pyram, je suis pas resté jusqu'à la fin du live et on en avait parlé la semaine dernière avec lui. Libre de doigts, moi, un chat officiel, bien évidemment. La Orbion, et c'est bien de mettre le lien. Elle a l'air assez chouette, mais je sais qu'il a pas réussi, j'ai pas eu le temps de lui répondre. Je sais qu'il a pas réussi à en venir à bout pendant son live. Et je dois vous avouer que j'avais un peu le même projet avant qu'il me l'envoie, mais je savais pas que ça existait. Et du coup, j'avais acheté un joystick 3 axes. Enfin, il y a un axe en plus, donc 1, 2... 3, et puis un petit bouton dessus, je voulais le modifier un petit peu pour pouvoir le piloter avec FreeCAD, enfin pour piloter FreeCAD avec, et puis bah, je pense que je vais attendre que Révolution 3D avance sur son Orbion pour voir un peu comment le gars a fait sur Orbion pour pouvoir piloter FreeCAD, parce que je suis très intrigué, j'ai envie de voir ça, et puis on verra ensemble si jamais on veut le modifier, si jamais on veut l'améliorer, etc. Et merci Isto pour les 15 bytes, c'est bits. Rien, je suis un peu fatigué de ça. Salut Frigeek, il avait un problème de cap trop gros par rapport au modèle conçu. Ouais, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Et je pense qu'il voulait le refaire au calme. Et ce que je comprends, parce que des fois, on a déjà parlé, hein, mais c'est vrai que bricoler, quand on sait pas trop où on va en live, donc ça veut dire gérer l'ensemble du truc, c'est parfois un petit peu compliqué, donc voilà, c'est pas surprenant. Mais ça avait l'air pas trop mal. Hein. Ouais. Voilà, et du coup, faudra rouvrir Fusion car il était conçu dessus. Oh non! Ah bon, on va le reconcevoir sur FreeCAD, écoutez. Allez, let's go! On part, justement, on en parlait, sur FreeCAD. Et ce soir, je sais pas si vous entendez bien la musique. Moi, je vais descendre un petit peu le son de mon côté. Mais on est parti sur du dubstep! Voilà, on verra si on est énervé après et qu'on est obligé de le changer. Bon! Que se passe-t-il avec 8 bits, 1 byte? Effectivement, du coup, tu aurais dû m'en donner 16. Faire 2 bytes. qu'est-ce que je voulais faire ce soir sur FreeCAD? En fait, vous voyez, il y a énormément de trucs qui sont autour. Et moi, ça m'embête un petit peu. J'avais envie de simplifier un petit peu ça. Alors déjà, je vais peut-être vous réexpliquer où est-ce que j'ai trouvé ce... Ah, voilà. Bah, du coup, voilà, c'est cassé. Donc, on va revenir. Ah, je crois que j'ai fait une petite... Voilà. Il y a les tables menus qui sont parties. Et il faut que je les remette. Enfin, bon, bref, il y a plein de trucs qui sont cassés.
Et donc, du coup, il faut que je reparamètre ça. Et il y a cette barre de machin là qui arrive, qui n'a rien à faire là. Bref, il va falloir qu'on regarde tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à mon avis, dans ma toolbar globale, je n'ai plus. Ouais, voilà. J'ai le constraint menu pi qui n'a rien à faire là, qui a supprimé. Voilà, donc on va le supprimer. Et j'ai perdu mes tabs. Les tabs, donc du coup, c'était les petits trucs que j'avais rajoutés au-dessus. Pourquoi je les ai perdus? Eh bien, écoutez, j'en ai foutrement aucune idée. On va aller regarder ça. Tab bar, ils sont là. Tab bar, il est pourtant là. Merci Frigeek, merci pour l'abonnement, 9 mois. Attends, la version Free 4 d'armure. Ouais. Tu nous as fait une brise de Nice. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Quelle est la hauteur du focus? 51 mm chez moi. À vérifier chez toi, mais chez moi c'est 51 environ. Et merci pour le train. Alors. Top, normalement. Ouais. On va faire on, close. Et la table, le tab bar ne s'affiche plus. Ça, c'est quand même dommage, ça. Ouais, j'ai fait des bêtises tout à l'heure. J'ai voulu modifier un truc un peu à l'arrache avant le live. Et je n'ai plus le tab bar. Alors, on va, c'est pas grave. On va supprimer la donne. On va la réinstaller. Où es-tu, tab bar? Ah, elle est là. Hop. On l'installe. Et on l'installe. Voilà. On ferme. Et on va redémarrer tout de suite. Alors attendez, ça c'est pour après. On monte pas tout de suite. Save, oui, save, save. On va réouvrir un fichier vierge parce que je crois que le fichier du robot il est un peu trop long. Ouh, va-t'en toi. Bonsoir David au PC. Regarde ton live en replay, je trouve ton contenu super intéressant. J'apprends plein de choses. Bah écoute, merci beaucoup d'Avric88. Mais grand merci à toi. Ça fait plaisir. Et de rien, Senzo, bien évidemment. Pas de problème. Ah bah la tab bar est revenue. Et il y a ce truc-là qui reste et qui est chiant, qui est le msarco utils dont je n'ai pas besoin. Que j'ai peut-être même supprimé d'ailleurs. On va créer une nouvelle page. Et est-ce que ça marche maintenant? Ça a l'air de marcher. Mais j'ai toujours cette barre-là qui est présente. Alors, donc le tab bar. Le tab bar, c'est une add-on qui rajoute comme ça la possibilité d'avoir ces menus sous forme de tab. Je sais pas si je l'avais déjà présenté. Ce qui est assez cool, parce que du coup, on peut mettre les menus que l'on souhaite, et ça évite d'avoir les ateliers comme ça en liste. Alors je les garde, parce que moi, j'ai pas tout affiché en haut. J'ai affiché ce que j'utilisais le plus. Vous faites ce que vous voulez, en fait, vous affichez ce que vous voulez en haut. La manière dont ça se... Hop! Ça se configure, vous avez tab bar dans accessories et vous dites bah, par exemple je veux, je sais pas moi, si je voulais rajouter un des assembly 3, voilà, hop, et du coup là ça ne se fait pas, ça sera au prochain démarrage, mais je vais avoir assembly 3 qui devrait arriver ici en fait à la suite. Voilà, je vais l'enlever et puis après vous, ah non c'est bon, c'est parce que j'avais fait le juste moins, voilà, il apparaît ici, voilà, hop, voilà, assembly 4, vous pouvez le déplacer en disant bah celui-là je veux qu'il apparaisse avant. C'est intéressant, c'est sympa, ça permet d'avoir un truc un peu plus épuré. Bon, ça c'est cool. Bon, par contre, j'ai des barres de menu qui n'ont rien à foutre là, et ça m'embête un petit peu. Donc déjà, première chose, on va clean un petit peu les toolbars. Donc pour ceux qui l'ont jamais fait, hop, ça se passe dans Customize Toolbars, et après on va aller dans Global. Alors les global, c'est les tabs, les menus qui sont toujours présents. Et notamment, bah voilà, s'il y a celle-là, là, msarco utile, que je vais supprimer d'ailleurs. Et celle-là, je vais la supprimer aussi. Voilà. Comme ça, hop, j'en aurai plus besoin. Elles vont plus s'afficher. Je serai tranquille. J'ai une petite question maintenant que tu es allé sur FreeCAD. Est-ce que l'équipe de dev t'a contacté pour améliorer le... non, sur un logiciel libre, open source, tout ça, tout ça. En général, c'est pas l'équipe de dev qui te contacte, c'est toi qui vas mettre des mises à jour, etc. pour améliorer le logiciel. Je fais de temps en temps des petites remontées quand je vois des bugs qui sont vraiment embêtants et que j'ai pas vu autre part. Après, quand il y a déjà quelque chose qui est ouvert et que c'est déjà en cours de modification, en général, je republie pas derrière. Après, pour faire des modifications dans le logiciel, honnêtement, bah, je suis pas suffisamment calé pour le faire. Donc, moi, mon apport à la communauté FreeCAD, c'est bah, de travailler dessus, de partager ce que je fais, de mettre en avant le logiciel sur les réseaux. Enfin, bref, de faire un travail plutôt de community, on va dire,
que de développeurs. Sachant qu'il y a des trucs assez incroyables qui vont venir, là, il y a des gens qui développent des choses, notamment au niveau de l'UI, donc ce qu'on est en train de faire là ce soir, et j'ai vraiment vraiment envie de le tester, notamment le tab bar, et puis le fait de mettre ces icônes un peu sur le côté, d'épurer, etc. Ça vient pas de moi, hein. Je l'ai vu passer plein de fois sur Twitter, avec des gens qui tentent des trucs, et voilà, donc c'est chouette, c'est très très chouette. Donc, global, c'est bon. Ensuite, vous voyez là, ces barres là, ici, c'est des barres que j'ai rajoutées, sauf que quand je les fais, c'est des barres à moi, ça. Ça n'apparaît nulle part, sinon. Le problème, c'est que quand, par exemple, je vais aller dans le Sketcher, eh ben, j'ai ça qui disparaît. Donc, c'est plutôt moche, on va dire. Du coup, moi, ça m'embête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va l'enlever. Et on va le remplacer par, je pense, un raccourci paille avec... qu'on va activer avec notre petit Stream Deck. Donc, on pourrait l'activer... On va l'activer en fait avec des shortcuts, mais l'idée en fait c'est à terme de l'activer avec notre Stream Deck. Alors pour faire ça, je sais pas encore trop comment on va faire ce genre de truc. Je sais pas comment on va épurer ça. Alors déjà on va enlever, parce que là ils étaient loqués. Bon déjà le image, est-ce que je le garde? Alors attendez. Configurer ça, pouf pouf pouf. Le image, je l'avais gardé parce que c'était quand même assez sympa pour pouvoir mettre des graphiques. Sauf que je m'en sers pas si souvent que ça, au final. Donc on va l'enlever. On va carrément le supprimer. Voilà. Le laser, par contre, le laser, on l'utilise beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des screens de ces trucs-là. Voilà, pour me souvenir de comment c'était. Voilà. Je vais les ouvrir à côté. Voilà. Ça, c'est le laser. Je vais le supprimer. Parce qu'en fait, là, il est actif que dans Part Design. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit actif au global, tout le temps. Voilà. Delete. Les macros, c'est pareil. Les macros, c'est sympa. Mais on en a besoin... Est-ce qu'on en a besoin dans le part design? Non, on en a besoin dans le global. Mais on n'a pas forcément besoin que ça s'affiche tout le temps, par contre. C'est là où on va faire une différence, vous allez voir. Donc ça, hop, on supprime. Le git, là, par contre, on en a besoin vraiment dans le global. Et j'ai envie de dire que ça, par contre, ce ne sera pas un menu paille. Autant l'afficher automatiquement dans les fichiers. Donc, c'est pareil. Hop, je me le prends. Hop, voilà. Et on va le supprimer. Je peux pas le passer dans l'autre truc, c'est ça qui est dommage. À moins qu'un clic droit... Non. Ah, le tooling. Le tooling, ça, il y en a besoin. Alors, le attachment, j'en ai pas besoin. Le view turntable, c'est bon. Le click inline, c'est bon. Le refresh, ouais. Le rotate, le move. Ça, ouais, j'en ai besoin. Hop. On le supprime. Et ensuite, le measurement, ça c'est pareil. Measurement distance, encore, je ne l'utilise pas souvent. Mais par contre, le measure, c'est quasiment tout le temps. Alors ça, c'est le measure de... c'est l'outil measurement de Assembly 4. Donc, il va falloir qu'on aille le chercher dans Assembly 4. Et donc là, pareil, touc. Voilà. Oh, zut. Voilà. Et donc là, maintenant, on n'a plus rien. On est vide. Et c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre dans le global, ici, et on va créer, on va en créer un nouveau. Et on va commencer par... lequel ? Bah, on va commencer par le git. Tiens, comme ça sera fait. Voilà, donc le git, regardez, il y a un petit truc qui arrive ici. Voilà, là on va mettre git. Oula. Attends, j'ai plus mon téléphone. Voilà, il est ici, boum, on le met dedans, ça apparaît dans le menu à cet endroit-là, c'est cool, c'est au global, c'est très bien, et du coup, ça, on peut le mettre sur le côté, et surtout, on va le loquer, comme ça, hop, on n'aura plus la barre pour pouvoir le bouger, donc on sait que le git, il est ici, et qu'il sera toujours présent, c'est-à-dire que si on va dans part, on a toujours notre git qui est sur le côté, et ça, c'est ce qu'on veut. Je vois le gazon qui arrive à partir au fur et à mesure. Non, mais l'interface est revue, mais si lui évolue, alors c'est parfait. Mais je peux peut-être essayer. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Alors,
Twitter. Par contre, faut que je trouve. Je vais trouver vite fait lui dont je me suis inspiré. Le gars qui a une chaîne YouTube aussi, mais j'aimerais bien du coup vous le montrer. Alors, hop, on va le mettre là. C'est... alors, je vais regarder le compte de Fricade parce que forcément... Oh, ils ont fait des trucs de dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il faudrait que j'aille voir. Oh là 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 là. Ah, regardez, déjà, il y a des interfaces. Regardez, il y a des interfaces qui sont quand même très très clean. Mais alors là, les gars ont un écran qui est beaucoup plus grand que moi. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal. Alors, vous voyez, avec les... pareil, avec les tabs au-dessus, c'est bien. Et après, avec les menus sur les côtés, je suis moyennement fan. Par contre, ils arrivent à faire ça en tout petit. Et ça, on va essayer de le faire, parce que ça, c'est très, très cool, pour le coup. Ça nous libère un peu d'espace. C'est vraiment pas mal. Regardez, Programmable Trial Space Smooth. Je l'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai pas fait exprès. Salut, Exarcet. En boîte, les macros. Les macros. Alors, attendez. Ouais. Le community manager du compte de Fricade, il est quand même ultra, ultra déter. C'est Studio Petricas, voilà, à chaque fois j'oublie son nom. M. Petricas, allez suivre M. Petricas sur Twitter et aussi sur sa chaîne YouTube. Il fait des trucs très, très bons et notamment il travaille sur Fricade et Blender. Et voilà, il a une interface que je trouve exceptionnellement clean avec... Alors, pareil, je suis pas très fan de sur le côté, mais en vrai, c'est très très beau. Et il a rien sur la gauche, ce que j'aime bien aussi. Il a juste ses pads ici, et vous voyez que les tabs fusionnent avec l'écran. Et je trouve ça vraiment vraiment clean. Franchement, ça fait très très beau. Salut Binabot. Comment vas-tu? Et alors, si vous aimez bien ce design-là, il a fait un speed design sur YouTube de cet élément-là. Allez voir, c'est très très sympa. C'est très très sympa, ça dure 5 minutes. Et alors, il utilise Assembly 3, et vous savez que moi, j'ai jamais réussi à le faire. Donc ça m'intrigue. Ouais, c'est très sobre, je trouve ça très très beau. Après, il a un écran bien bien grand, hein, beaucoup plus grand que ceux que j'ai. Donc, mais on va voir si on peut pas faire un truc comme ça. Vous savez quoi? On va même faire un truc, c'est qu'on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet, hop, et on va se le garder comme référence design à côté, et on se l'ouvrira quand on aura besoin. Parce que, clairement, j'ai pas du tout le même rendu que lui, et je sais pas du tout comment il a fait ça. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Voilà, donc on va aller piquer un peu ces couleurs, là. On va aller voir un peu, parce que j'aime beaucoup son rendu. Alors, donc, le git, c'est fait. Voilà. Et on va l'enlever du pin, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ensuite, moi, ce dont j'ai besoin, c'est un peu des outils dont j'ai besoin un petit peu tout le temps. Donc, on va l'appeler... Tool... Allez, je vais mettre un barba devant pour éviter de trigger le... Barba Tools, ok. Et dans Barba Tools, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du move. Alors, c'est le move de draft. Voilà. J'ai besoin du rotate. Faut aller rotate. Allez, on va le prendre de draft. J'ai besoin du view turntable. Alors, c'est turntable. Yes. Je vais avoir besoin du clipping pane. Voilà. Et je vais avoir besoin... alors, c'est du refresh. Alors, c'est le... Ouais, par contre, faut pas que je me trompe, c'est le STD refresh. Nice. Et là, on va mettre le measure aussi. Alors, par contre, vous allez voir, il y a plein de trucs. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le measure d'Assembly 4. Ok. Super. Du coup, là, on va revenir hop, sur mon menu. Ok. Donc ça, c'est good. J'ai mes outils. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux trucs. Il me reste le laser. Et il me reste les macros. Alors. Hop. Et vous voyez, si je cache ça, ça s'affiche pas forcément.
On va voir ça après. Ah, c'est bien comme ça. Salut Binaris. Salut le Bernet. Salut Pyram, tu as passé ton thème. Excuse-moi, j'étais parti. Donc tu as passé ton thème de gris à bleu foncé. Je sais pas encore, hein, je sais pas encore, on va essayer. J'aime bien changer. Ça va, je me casse un peu à faire du PCB sur une perf board. Oh mon dieu! Ah oui! Ah ouais, fais ça, parce que la perf board, c'est rigolo 2 secondes, mais c'est. T'as plus vite fait après des fois te graver une carte. Hein. Salut Sobre Pazard! Allez, on s'en fait une nouvelle là. Du coup, on a besoin. C'est. Pareil, on va l'appeler Barba Laser. Ça me fait rire. Et ça, c'est tous les outils qu'on utilise régulièrement quand on veut créer. En fait, c'est pas du tout pour du laser. C'est juste pour créer des pages de Tech Draw. Merci, Karl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour tes 8 mois, pour ton Prime. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est Insert. Page. Oui. Il l'a pas pris. Ok. Il l'a pris. Ensuite, j'ai Insert. Projection. Group. Yes. Et ensuite, j'ai Export. Page. Et nous, on utilise plutôt le SVG. Moi, il ne s'applique pas les différentes fonctions qui sont de moins type mesure en supprimant seulement perfectionné. En fait. Faut comprendre que Mijure, il est disponible. Enfin, quand tu vois l'outil ou le comment dire l'icône, c'est parce qu'il est utilisé dans plusieurs workbench, plusieurs ateliers. Donc, t'en as un qui est utilisé, qui est fonctionnel dans l'ensemble de FreeCAD. Il y en a un qui a été développé spécifiquement pour AssemblyCAD parce qu'il y avait des besoins. D'autres dans d'autres workbench. Pour des raisons différentes, avec des fonctionnalités différentes et avec des besoins différents. Alors, si on prend juste l'outil mesure, en fait, le problème, c'est pas que ils sont moins ou plus perfectionnés, c'est qu'ils servent pas aux mêmes à la même chose. Et après, c'est selon les préférences des gens. Alors, c'est ça qui aussi différencie un logiciel qui se veut open source et libre en disant utilisez ce que vous voulez, développez ce que vous voulez dessus, allez-y, voilà. Et des logiciels où ils vont être plus, comment dire, c'est pas rigoureux le terme que je cherche, mais où ils ont une roadmap, ils ont un besoin, ils vont les étudier, ils vont dire, nous, on va considérer que les utilisateurs, ils veulent aller que dans ce sens-là et utiliser notre fonction que comme ça. La philosophie, si tu veux, elle est différente. Donc, fatalement, tu vas te retrouver avec des trucs un peu doublons sur FreeCAD parce que l'outil a été, enfin le logiciel a été développé pour ça. Et je suis pas sûr que le bon truc ce soit de supprimer un outil. Mais peut-être, enfin moi j'aimerais bien qu'il commence à généraliser par exemple l'export de paramètres de config. Typiquement, alors attendez, je vais cacher ça, ok. Typiquement, le fait d'avoir tout le preset configuration et puis de loader un preset ici, eh ben, je pourrais par exemple faire export configuration, ça prêlerait, j'en sais rien, barba config, tiens, voilà, hop, on la fout sur Git, et vous faites, quand vous installez un nouveau truc, vous dites boum, barba config, et puis hop, ça se met comme ça. Du coup, tu vois, plutôt en se disant, il y a des gens qui vont limiter ou donner accessible des outils spécifiques en fonction de ce que tu as besoin de faire, parce que tu sois sur Arch pour pouvoir faire de l'architecture, ou que tu fasses des pièces mécaniques comme moi, bah, du coup, tu n'as pas besoin de forcément les mêmes outils au même moment. Et du coup, peut-être, c'est comme ça qu'on va réussir, à mon avis, à amener plus de gens dessus, en se disant, voilà, vous voulez faire quoi? Vous êtes plutôt quel type d'utilisateur? Développeur, enfin, utilisateur mécanique, boum, truc mécanique, tac, 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 avec une UI simple, etc. Ça serait cool. Là-dessus, FreeCAD également, quand tu débutes, ça fait utile à guess, c'est un peu évident pour moi. Et oui, exactement. Mais c'est aussi ça qui est chouette, parce que du coup, tu as vraiment l'impression d'avoir, au bout d'un moment, jamais exploité complètement l'outil, et de te dire qu'il y a toujours des trucs que tu peux aller choper à certains endroits qui sont très très cool. Salut Arcalange. Alors, du coup, maintenant, on n'a plus rien. Ce serait bien de pouvoir s'échanger les profils, je suis bien d'accord. Du coup, on n'a plus rien, et ça c'est normal, mais par contre, regardez, le Git nous suit, voilà, et tout le reste nous suit, donc ça c'est bien. Ce qui reste toujours, c'est ça, qui sont finalement les outils un peu standards dont on a toujours besoin. Est-ce que le reste, on va l'afficher? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à ce moment-là, maintenant qu'on y est,
on utilise, plutôt d'utiliser les barres de menu, on va utiliser le Pi menu. Le Pi menu, en fait, c'est, moi j'ai un petit bouton ici là, pour l'activer, qui est pour l'instant juste le résumé des dernières commandes, en fait, des historiques de commandes, des dernières commandes que j'ai tracées. Voilà. Ça sert pas trop mal, mais le problème c'est que quand tu veux une commande que tu as faite il y a 10 sélections, et parce que tu as fermé, tu as ouvert un truc, le commande history il s'est mis à jour et du coup tu l'as plus, c'est un peu dommage. Donc du coup, ce qui serait intéressant, c'est de mettre plusieurs pi menus différents en fonction de. En fonction de la toolbar. C'est-à-dire que là, vous avez vu, il y a des petits trucs là, pi menu, ici. Bah du coup, si à cette toolbar, je mets un shortcut et que je l'appelle avec le Stream Deck, je vais plus appeler la toolbar, je vais appeler la toolbar en pi menu. Et là, ça commence à devenir chouette. Parce que il y a un truc que je voudrais faire, c'est le barba constraint. Oh merde. Attendez, rename. Ça ne va pas du tout, ça. Constraint. Voilà, et du coup, on va aller chercher plutôt les... Où es-tu ? Sketcher. Et du coup, d'avoir un pi menu avec l'ensemble des contraintes. Parce que ça, pour l'instant, je les avais mis sur la droite. Mais en fait, c'est chiant sur la droite d'aller le chercher. Ça me fait beaucoup de clics, en fait, sur le côté pour des choses qui doivent être rapides. Et donc là, on va plutôt mettre directement les contraintes dedans. Les contraintes que j'utilise le plus souvent. Notamment, contraintes d'angle, contraintes coïncidentes. Le bloc, j'utilise jamais. Contraintes distance... horizontale, verticale, égalité. J'ai enlevé le diamètre parce qu'on va utiliser l'automatique. Voilà, clac, clac. Celui-là, je l'utilise jamais. Celui-là, j'utilise beaucoup. Celui-là aussi. Celui-là, regardez, celui-là, il est bien, mais il serait bien aussi au même endroit que ça. Comme ça, on a une logique. Voilà. Et après, tout le reste, c'est des outils de dessin. J'ai pas d'autres contraintes. Le stop operation, je l'ai déjà. Voilà, hop. Voilà, donc là, actuellement, il est ici. Et ben, on va le désactiver. Voilà. Hop. On le close. Après, hop, hop. Attends, quoi ? Une configuration par entreprise, ça pourrait être cool. Après, hop, 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 hip, hip. Un config. Personnellement, pour moi, exactement. Bien entendu, on peut faire de l'architecture. Ouais, t'as un module arch. J'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait des plans avec. Ça marche trop bien. Mais je l'ai pas activé là parce que du coup, j'utilise très peu. Mais t'as un module arch, ouais, qui me fonctionne étonnamment bien. Je suis très très surpris. Et j'ai mis 10 minutes à comprendre comment ça marchait. Après, il y a plein de trucs. J'ai pas encore. Genre les escaliers en collimation, j'ai encore du mal à les faire. Mais sinon, il y a des trucs de dingue dedans. Salut Mickey Dox. Sagittarius, à quand le live sponsorisé Fusion. J'ai réussi à remettre le menu Start Part comme toi. Je l'ai fait glisser au-dessus de l'application à gauche et depuis bloqué. Ah. Attends, Start Part. Start. Le menu Start. Pas sûr de voir. Merci le Bernet. Contrainte dimensionnelle devrait les simplifier. On va appeler une simple touche, les combinaisons de CTRL H et le reste, c'est chiant. C'est pas faux. Faut que tu effaces les fichiers de tes personnalisations. Changement en trait de construction. Ah, ça c'est pas con ça. Bien vu. On va rajouter. Alors, global. Catcher. Alors, le changement en trait de construction, par contre, je ne me souviens plus comment il l'appelle. Il y a celui-là qui est bien aussi. Je vais voir si je le vais le rajouter. Ah, c'est ça. On se met dedans. Voilà. De toute façon, on va regarder. Du coup, maintenant, il faut que je mette des menus, des toolbars menus shortcut. Et c'est là où on va ouvrir. Alors, attendez. Ah, on n'a pas fait les macros aussi. Ouais, les macros, c'est pas grave, je les ferai plus tard. On va en avoir... Bref, on va en avoir besoin assez vite. Bon. On va changer. Je change un peu ma musique. Yes. J'ai un petit doute.
Bon, on va déjà essayer de faire ça comme ça. On va ouvrir voilà, le menu Stream Deck. Et voilà. Alors du coup, comment ça se passe? Ah, ça va être chouette. Bon, on va close. Voilà, le Stream Deck, en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'ai mes touches là, ici. Et si je clique dessus, en fait, j'ai des raccourcis. Ah. Bah, ça. Bon. Voilà. Par exemple, là, j'ai mis F13. Donc, c'est F16, F14, F15, etc. Et ici, je vais mettre un icône qui va me permettre d'identifier en fait directement sur mon Stream Deck ce que je suis en train de toucher. Donc là, pour l'instant, j'avais mis des fonctions en fait. Sauf que et j'avais mis le Pie Menu ici. Sauf que, bah, en fait, je suis pas hyper satisfait de ça parce qu'en fait, c'est pas très utile. Et je préférerais au final réussir à cliquer sur. Enfin, à toucher un truc et que ça ouvre un Pie Menu. Donc, pour faire ça, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redesigner en fait tout notre truc. Et au lieu de mettre des fonctions directes, on va mettre des menus Pie. Alors, comment ça va se passer? Ici, je vais réouvrir parce que je m'en souviens déjà plus des menus Pie qu'on a mis. Hop. Voilà, donc il y a 1, 2 et. 3. Par contre, pourquoi celui-là il reste toujours coché? J'en ai 3 en fait à afficher. Et donc du coup, je vais les assigner à 3 touches. Donc par exemple, à F13, F14 et F15. Par exemple. Voilà. Donc ça. Hop. On va le mettre ici. C'est possible d'avoir un équivalent de Stream Deck avec un smartphone. Oui, avec l'application en fait Stream Deck, tout simplement. Alors, comment on va faire ça? Je pense qu'on va les. On va les dégager. Ouais. On va les dégager nos machins là. Donc tout ça ne sert à rien. Voilà. Ça aussi. Celui-là, j'ai vraiment jamais. En fait, c'est le truc, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser pour comprendre ce dont on a besoin ou pas. Et du coup, ça, je vais le garder. Parce que clairement, c'est hyper utile pour moi de les avoir en haut et ça je m'en sers vraiment et en dessous par contre on va venir rajouter nos pièces. Alors comment on fait ça? On va aller dans système, il y a raccourci, hop, on va en mettre là, ici, voilà, ici, celui-là on va mettre une touche. Alors là j'ai F13, 14, 15, 16, ok. Et du coup là on va mettre 16, 17, 18, 19, 20, celui-là c'est pas un truc à la con, ouais. Et 21. Ce qui est bien avec les touches, c'est qu'à partir de F13, en général, vous les avez plus sur vos claviers. Et donc du coup, vous pouvez les assigner assez facilement en fait. Alors maintenant que j'ai mes touches ici, on va repasser de l'autre côté. Alors ça se met à jour automatiquement, hein. Voilà, vous voyez. C'est plutôt cool. Hein. Ton clavier est super large pour avoir. C'est un layout de 100 pour ça. Et maintenant, hop, je reviens ici. À chaque fois, j'ai un petit doute où est-ce que c'est. Voilà. Et dans Toolbar, on va aller dans Global. Et le. Mais punaise, pourquoi il me le recoche? C'est quand même un peu embêtant. Le Barba Tool. On va le mettre ici. Ah, par contre, voilà, on la signe. Voilà, on la signe. Ensuite, merci Eternium. Le constraint, je l'utilise un peu plus souvent. On va le mettre ici. On la signe. Par contre, je sais pas pourquoi. Il me fait toujours une petite virgule. Do you want to override? Oui. Voilà. Et le barba laser. On va le mettre ici. Ouais. Alors là, du coup, il me dit que je l'override parce que en fait, il y a déjà d'autres touches qui sont assignées à F17, F20 et F21, mais c'est moi qui les ai mises. Donc, voilà. Et regardez, maintenant, hop, quand je vais appuyer sur F20, je vais avoir mes outils. Voilà. Pas cool ça? Donc ça veut dire que maintenant, hop, si je crée, voilà, un objet ici. Que je viens voilà, faire ça. Voilà. Ici, si je viens mettre.
J'appuie ici, j'ai mes contraintes. Alors par contre, j'ai pas toutes les contraintes que j'ai mises. Si, elles y sont toutes. On est d'accord qu'elles sont pas toutes là. Ah. Attendez. Là, j'ai les contraintes d'égalité. J'ai que ça en contrainte. J'ai pas que ça en contrainte. C'est bizarre. Alors, maintenant, faut qu'on regarde ça. Customize. Tu n'as pas une limite en nombre. Bah, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Alors, ça fait barba constraint. Ah oui, il y en a beaucoup plus que ça. Je veux même ça. Tu as déjà dev un jeu vidéo? Alors pour être très sincère avec toi, oui, mais il y a très longtemps sur des trucs genre jeux vidéo maker, je sais pas quoi, dans les années 2000. Mais à part ça, non, j'ai jamais fait ça. j'avais posé une issue sur lui, il m'avait donné les fichiers FSS Mac Windows pour pouvoir retrouver la demande. Par contre, ça serait cool de comprendre pourquoi j'ai une limite. Alors, salut Flamic88, les gars, et les amis, tout ça, est-ce que ça vous dérange pas de chercher avec moi si quelqu'un trouve pourquoi il y a une limite dans le view du pie menu? Ça m'intéresse de savoir, parce que là, on est un peu bloqué. Attendez, c'est dans le display, oui, voilà, le pie menu, icon size, bah, 24. Radius, trigger, center. Est-ce qu'il faut pas que je descende le icon size? 8 directions. Ça ressemble. C'est pas uniquement les X premiers de ta liste, mais je sais pas. Ça ressemble à une roue à 8 items. Oui, il y en a 8. Mais je pense qu'on peut en mettre plus. Parce que sinon, le clone de Tamagotchi sur le gouvernement, ça compte comme un jeu vidéo. si je descends les icon size, qu'est-ce que ça fait? Alors, je sais pas, je mets à 10. Apply. Non, il y en a toujours que 8. Donc, ça ne change rien. Fichtre. Du coup, j'ai rien d'autre. Hein. C'est un peu dommage. Center radius. Rose ML, trigger radius, ouvert trigger radius, c'est pas ça. Ça c'est le. Ça ne fait que modifier le. Oui voilà. Ok, alors, est-ce qu'il y a un autre. Notre truc. Non, attendez. Le centre radius pour réagir et pouvoir en mettre plus. Ah, à moins que. Attends. Ah, quand je fais un clic droit, j'ai tout le reste en fait. En fait, il y a ceux que tu utilises le plus qui sont présents. Ou alors c'est les 8 premiers. Ouais, ça a l'air d'être les 8 premiers, effectivement. Ok. Ah, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut pas augmenter ça? Int width à 8. En utilisant le bouton. Attends, int width à 8. Où est-ce que t'as vu ça? Where did you see that? Ça, c'est dans le dockable overlay. Auto hide int visual display size. Oh, tu penses que c'est ça? Non, ce n'était pas ça. Ça n'avait rien à voir. Alors ça... Ouais, la Coupe de France, quel BG. Hein? Quoi? Quoi? Punaise, où est-ce que ça peut être? Radius 100. Ah, j'ai déjà essayé. Ça augmente juste la taille du radius en fait.
Ça fait rien du tout en fait. Genre, regarde, je vais passer à 200. Regarde, le truc il va être plus grand quoi en fait, tout simplement. Bon, ça fait ce que ça a besoin de faire, là pour le coup. Et le center radius, c'est juste le rond central en fait. Voilà. En fait. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Préférence, customize, orthographic view. Ah non, ça c'est quand je mets le truc. Bon, alors du coup, ça ne sert à rien. Bon, on va le remettre en dessous. Ah merde alors! D'où ça vient ça? Navigation. Autant réduire le plus possible pour éviter les kilomètres à la souris. Voilà, exactement. Bah, sans c'est bien. Hein. Moi, je trouve ça bien. Mais c'est un peu l'idée. Pro style. Ça a pas l'air d'être là-dedans. J'aurais plutôt dit. Document. Action. Soit on cherche un truc qui serait à 8. Parce que je pense que c'est un peu général. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut aller. Edit parameters. Pie menu. J'ai rien. User global. Art design sketcher global. Un command name UID. Ouf. Alors on est d'accord. Voilà, il n'y a rien du tout. Bah, écoutez, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Pas trop d'où est-ce qu'on pourrait le modifier. Base F. Oh, regardez, display setting. Eh mais attendez. On peut rajouter des. Je découvre des trucs là. J'ai jamais été là-dedans. Mais attendez, on peut faire ça en fait. Overlay top. Ah mais. Sur le fond de premier, ils disent que tu peux switcher les items en utilisant la molette de la souris. Ah ouais! Oh! Je sais pas si je peux poster le lien. Vas-y, vas-y, poste le lien, grave. Mais attendez, là on est en train de. Je suis en train de me rendre compte que ce que je vous disais tout à l'heure, on peut le faire directement ici. Vertical tout bas, vertical tout bas, tout bas. Putain, c'est bon. What the fuck? C'est génial! Merci Mickey Dox. Alors attends. Qu'est-ce que tu me dis? Pie menu. Control wheel to scroll single item, use control wheel or just drag your mouse. D'accord. Ok, donc a priori oui. C'est le truc qu'avait montré Officine. Ouais, c'est ça, je l'ai jamais appliqué en fait. Alors attendez. Vous êtes en train de me dire que. Ah, effectivement. Putain. Génial. Oh. Ok. Ok, c'est fort. Ok, c'est vraiment pas mal. Ça veut vraiment dire que on peut avoir plus de menus. Ok. Ouais, donc là, tu mets vraiment les 8 que tu utilises le plus. Par contre, d'accord, ok. Pourquoi il y a un truc ici? Je sais pas. Ok, bah écoutez, on va essayer, hein. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. C'est ça a l'air assez chouette. Donc, bah, on va le tenter. Et du coup, on va dégager le menu ici. Alors ça, non, on va le garder. Mais le contraint, on va le ouais, on va le dégager. Hop, regardez. On va épurer encore plus. Et j'ai presque envie de dégager aussi le. Ah bah attendez, du coup on peut faire. Oh là là, attendez, il y a plein de trucs qui se mettent dans ma tête là. Sur le fait qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut.
Alors déjà, global, on va créer notre Barba macro. Voilà, ok. C'est vraiment cool, en vrai. Alors les macros. Voilà, alors du coup, il y a... Ah oui, il y en a deux. Bon, bah tant pis, hein. Voilà, ça, on va le dégager. C'est info, in to face. Attendez, si on fait un séparateur, qu'est-ce que ça fait? Dans un petit menu, ça veut dire que le menu, c'est le menu d'après? Oh, attendez, ça serait génial. Alors, macro, ok. D'ailleurs, on peut vraiment faire des trucs rigolos. Ok. Et on va faire execute. Le stop, il est où? Stop macro recording. Celui-là, on va le monter. Voilà. Donc, on va faire exactement comme le menu standard. On prend ça et on le met sur. Je vais mettre sur F18. Assign. Yes. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, c'est dommage. Il n'y a pas de. Ah, c'est dommage. S'il y avait une. J'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave. Ok. Tu as galéré avec les deux macros qui ont le même nom. Il faudrait pas changer la couleur. Oui, si, si, si. Mais de toute façon, bon, c'est marqué, hein. Il y a le nom dessus. Mais effectivement, de toute façon, il y en a une qui va être supprimée, hein. Il y en a une qui dégage, mais juste que il faut que j'ai le temps de le faire. Ok, du coup, ça veut dire que là, les macros. Eh ben, je peux le dégager. Qu'est-ce qui me reste là? Navigation style, j'en ai pas besoin. Dimension label, je l'utilise quasiment jamais en fait. Si je dégaine le dimension label, est-ce que je gagne de la place? Non. Donc on va le garder. Ouais, je voudrais juste effacer le macro. Macro, je peux l'enlever. Ça, c'est un peu pareil, j'utilise quasiment pas. Et la liste, on va la mettre ici. Mais autant de séparateurs que tu as besoin pour compléter un groupe de 8. Tu es un génie! Tu es un génie, j'y ai pas pensé. Alors là, ça fait 1, 2, 3, 4. Du coup, il faut que je mette 4 séparateurs. Ah, j'en ai 2. 3, 4. Est-ce qu'il le prend comme un item ou juste comme un truc blanc? On va voir. Non, il le prend comme un truc blanc. Il le prend comme un truc qu'il affiche pas en fait. Ah, c'est dommage, c'était une bonne idée. Bon, par contre, ça serait bien de le. Voilà. Close. Du coup, il me reste que ça à venir. Tiens, lock. Sketcher, git, tab structure. Yes. Ah oui, c'est les menus aussi qu'il faut que je. Tab, view, workbench. Voilà. À la fin, il y a juste resté à supprimer la barre grise avec. Ben, en vrai, en vrai, ça serait pas mal aussi. Hein. Il y a juste ce truc-là que je n'utilise quasiment pas. En fait, j'utilise le fit all. Ça. Et c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. Du coup, on va le mettre ici. On va aller là. Non mais c'est ça qui est cool en fait, c'est vraiment tu fais ton logiciel quoi. J'aime bien ça. Allez, Barbaview. Boum. Et dedans, on va aller chercher à quoi ça correspond ça. Alors ça c'est fit all, c'est ça? Ouais, fit all. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de. Ah oui, mais alors ça, par contre, comme s'il y a, c'est pas un menu. Ah, c'est un menu déroulant.
Voilà. Color, ça me met. Est-ce qu'on peut pas. On peut pas le mettre dedans? Genre, là. Le mec, c'est un truand, tu vois. Il essaye de. Ah, c'est dommage. Parce que là, en fait, le problème, c'est que ça prend quand même un peu de place, quoi, en dessous. Bon, tant pis. Par contre, ça serait bien de le dégager. Voilà, close. Bah écoutez, moi je dis que c'est pas mal. Je dis que c'est pas mal. Et que du coup, on va pouvoir y mettre des. Par contre, je sais plus ce que j'ai fait. Genre F18, c'est les macros. F19, c'est rien. Ça, c'est le tool. Ça, c'est les contraintes. Ça, c'est le laser. Et ça, c'est rien du tout. Ça pourrait être le part design, par exemple. Les fonctions de part design que j'utilise le plus souvent. Parce que là, c'est pareil, il y en a quand même. Flick Footer, c'est Fricad, le Bernet a répondu en moi. Pouvoir passer au bleu-violet. En vrai, il y a. Mais ça, c'est une macro que je voudrais faire. C'est genre, tu cliques sur un objet et j'ai mes matériaux personnalisés, en fait. Et ça serait cool. Alors, on va. New. Et on va l'appeler. C'est quoi? Barba Part Design. Voilà, hop. Et du coup, on va aller dans Part Design. Attendez, comment c'est. Ah, c'est pas du tout organisé par ordre alphabétique. Alors, le pad, ça c'est bien. Révolution, ça c'est bien. Le pocket, un grand classique. Il est chanfrein pour le reste en vrai. En vrai, ce serait tout. On va quand même rajouter le groove. J'en ai combien? J'en ai 6. Allez, encore deux qui seraient intéressants que j'utilise souvent. Cette partie-là, j'utilise jamais. Ça, c'est rare. Ça, c'est mis. Peut-être la répétition circulaire et le asymétrie. Polar pattern et le mirror. On va voir. On va voir ce que ça va donner, ça. Yes. Ok. En vrai, c'est pas mal, hein. Par contre, un tout petit peu trop petit à mon goût. On va l'augmenter. Bench. Alors, attendez, je vois un truc parce que. Okay, display. Oui. Avant, on était sur du 24. Est-ce que c'est mieux le 24? 24, c'est pas trop mal, mais 34. Ah, c'est un peu trop 34. Non, non, en fait, c'était pas trop mal. C'est pas trop mal. Font size, ça c'est pour augmenter la taille de la fonte. Ok. Trigger delay. Ok.
Ouais, je sais pas, on va voir. Je veux juste voir un truc à la con. Est-ce que si je mets 1000, qu'est-ce que ça fait? Outbounce. Genre, il y a. Genre, rien, ça fait rien du tout en fait. Shop the pop-up, je sais pas ce que ça fait. In-out élastique. Ça fait rien du tout en fait. Ok, bon, écoutez, on va essayer comme ça. Yes. J'ai sur Link sous Linux. Ouais, sous Linux, j'ai pas vu trop de problèmes. Je l'ai pas testé perso, mais sur les PC que j'ai installés. J'ai jamais utilisé. C'est une séance sans besoin de fourre-tout, sans quelle pièce est impactée, je pense. Ah oui, je suis d'accord, ouais. Aussi, ça va enliser sur Smart. Donc ça c'est le... Ah mais par contre... Attendez, il m'a pas pris, il m'a pas pris mes modifs. Ah, il m'a enlevé toutes mes dernières modifs. Ah, moi je pensais juste là. Ah non. Ah, c'est méchant ça. Non, 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 non. Reviens. Ah oui. 35. 90. Même 80 à la limite. Touk touk touk, appli. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, et du coup, par contre, le center radius, on va l'augmenter un tout petit peu. Parce que si j'ai bien compris. Ouais, parce que si je fais ça, ouais, voilà, forcément, ça me crée mon. Ok. Appli, ok, nickel. Ouf! Bon, bah ça, c'est pas mal. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour la modification de la. Oh, attendez. De l'interface. On y est déjà passé un petit moment. Je vais juste augmenter dans le part design. J'étais passé à 2, mais j'aime pas, je préfère. Finalement avoir une ligne à 1. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, et eh ben écoutez, on va essayer ça. Par contre, j'ai pas mis j'ai pas mis d'icône. Alors là, ça va être le grand mystère de qu'est-ce qu'on peut mettre comme icône. Parce que là, c'est les contraintes. Toutes les contraintes contextuelles. Ça comme dans. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attends, je regarderai après, mais. Ah, c'est des contraintes qui se mettent automatiquement en fait. Mais le mec est en train de le développer? Il y a un topic. Ah ouais! Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Ah oui, vous voyez quand il passe de l'un à l'autre. Oh! Ah ouais, ok, ah ouais, alors là par contre, ouais, si ça c'est implémenté, ce serait vraiment très cool parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui l'ont. Et ça simplifierait quand même vachement les choses. Ah bah merci pour cette découverte. C'est pas trop trouvé ça par hasard sur le forum, c'est dingue. Du coup, je sais plus où on en était. Ah ouais, il faudrait que je mette des images, mais on va pas faire ça ce soir. Parce que ce serait bien de commencer à travailler un petit peu sur le robot. Du coup. C'est ça qu'on veut. Du coup, on va s'arrêter là pour cette partie de live.
Ce que je vous propose, c'est de se mettre un petit générique de fin là pour finaliser cette première partie. Et puis après, on passe à la partie de conception. Donc là, c'était plutôt une partie, voilà, je remodifie un petit peu mon interface. On va voir si c'est mieux, on va voir si je tiens le coup. Et puis, on se retrouve juste après. Donc ne quittez pas pour la suite un peu plus technique. À tout de suite!